Durant ce cours, nous allons réviser ensemble le contenu de la quatrième partie de la forme de la lance avec Monsieur Huang. Reculer et ouvrir avec la lance. On recule le pied gauche et on ouvre avec la lance devant. Puis on recule le pied droit et en même temps on place la lance au-dessus de la tête. Ouvrir avec la lance fait partie des attaques. On l'utilise principalement pour se défendre en dessous des genoux ou au-dessus des épaules ou pour se donner le champ libre à une attaque. Pour forme en position du petit T, on avance le pied gauche et on place le pied droit à l'intérieur du pied gauche, soit en position du petit T. En même temps, on pourfend avec la lance vers le bas et devant. Bien, je refais une fois. Attention, lors de pourfendre en position du petit T, il faut pourfendre avec force, force qui doit atteindre la pointe. Pourfendre en revers en position du pas vide. On avance le pied droit devant à droite. En même temps, on saute vers la droite et on pourfend vers le bas. On pourfend en revers en position du pas vide. La main est orientée vers le haut et on pourfend en revers, c'est-à-dire en partant de l'intérieur. Levez le genou et tirez la lance. On tourne le corps à gauche, on ouvre les bras et en même temps on lève le genou en position sur un pied. Bien, je le refais une fois. Lorsqu'on est en position sur un pied, il faut bien stabiliser l'équilibre. Piquer en bas en pas sauté. On avance avec le pied gauche et on amène la lance devant. On avance avec le pied droit et on écarte les bras. On avance le pied gauche, puis on saute, on tourne le corps et on pique en même temps. Lors de la pratique de ce mouvement, il faut bien garder l'équilibre. Pourfendre en position du petit T. Lorsqu'on pourfend en position du petit T, le bras gauche ne doit pas être trop plié. Il doit rester quasiment tendu, légèrement plié. Piquer en bas en pas sauté. Piquer en bas en se retournant est la partie principale de ce mouvement. C'est un mouvement d'attaque devant surprendre l'adversaire. Outre la pratique individuelle de la lance, on peut également pratiquer avec des partenaires utilisant d'autres armes. Il existe ainsi un type de forme de wushu appelée forme combinée. Elles sont principalement faites de mouvements d'attaque et de défense. Pour éviter les blessures accidentelles, les pratiquants doivent laisser suffisamment de temps et d'espace à l'autre pour esquiver.
reculer et tournoyer. On recule le pied gauche, puis la main gauche empoigne la lance et on recule le pied droit en même temps. On avance en faisant tournoyer la lance et en même temps on avance en position du demi-cavalier. Attention, lors du tournoiement, il se fait au-dessus de la tête, on l'appelle aussi nuage. Position du demi-cavalier, barrer, rabattre et piquer. On barre, on rabat et on pique en position de l'arc. Barrer, rabattre et piquer en position de l'arc. Barrer, rabattre et piquer en position de l'arc. Position du demi-cavalier, barrer, rabattre et piquer. On le fait 3 fois en tout. Tournez le corps et pourfendre. On tire la lance vers soi, on tourne le corps à droite et on pique vers le bas à droite. En même temps, on crochète le pied gauche sur l'autre jambe. Puis on pose le pied gauche à l'arrière et on pique vers le haut de manière oblique. Bien, je le refais une fois. Il faut bien tourner le corps et crocheter la jambe en même temps. Fermeture, on transfère le poids du corps sur la jambe gauche, on amène le manche vers l'avant et la pointe vers l'arrière, puis on lève la jambe droite et on recule. On pose le manche au sol, en même temps le pied gauche rejoint l'autre pied et on pousse avec la paume vers la gauche. À la fin, on joint les pieds devant et on ferme la forme. Bien, je le refais une fois, regardez bien. À la fin, on joint les pieds devant et on ferme la forme. Tournez le corps et pourfendre. Quand on pique, on doit bien piquer en haut de manière oblique. Quand on tourne le corps et qu'on crochète la jambe, il faut faire bien attention à garder l'équilibre. Fermeture. La fermeture est le dernier mouvement de la forme de la lance. Le regard doit bien suivre la lance quand on vient la poser au sol. À présent, revoyons l'ensemble des mouvements de la dernière partie de la forme.
essayons de réviser les mouvements de la quatrième et dernière partie de la forme. Maintenant, enchaînons-les. Chers téléspectateurs, nos cours sur la forme de la lance prennent fin. Nous vous attendons pour de nouveaux cours de Kung Fu. Au revoir.